dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. Je suis Florence et vous pouvez me retrouver avec le pseudo Flo Duvar sur Ravelry et sur Instagram. Ici, c'est un podcast Tricot, 100% Tricot pour l'instant. Et même un podcast classique avec les tricots terminés, les tricots en cours et les futurs tricots. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Je devais revenir un petit peu plus tôt vous présenter certains tricots. Et puis voilà, le temps passe et on n'a pas toujours le temps de venir papoter. Donc aujourd'hui, c'est fait, je prends le temps. Premier tricot que je vous présente, c'est mon pull rosa que vous avez certainement vu depuis le printemps parce que j'avais acheté la laine au Festival de Québec en mai, en mars, voilà. Je voulais un pull de printemps, un pull rose, un pull avec plein de nuances de couleurs. Et puis, si vous avez suivi un peu mes différents épisodes, vous savez que ce pull m'a posé plein de problèmes. Donc, je vous parle déjà du modèle. Le modèle, il s'agit du modèle Rosa de Elong avec Anna. C'est un pull qui se tricote en déca, je crois. Je ne sais plus, ça commence bien, parce que forcément, maintenant, ça remonte un petit peu. Bref, moi je l'ai tricoté en 3,75 avec de la fingering, une fingering qui est peut-être un petit peu épaisse, donc voilà. Et avec 3,75 et ce type de laine, ça correspondait à l'échantillon, donc c'est ce qui fait que je me suis orientée vers ce modèle-là, et je voulais une encolure en V. Donc, c'est un modèle tout simple, si ce n'est qu'il a des petits raglans sur le devant et dans le dos. Voilà. Pour le modèle, vraiment aucun problème. Ça se tricote très bien, c'est très bien expliqué. C'est un modèle en français. Les modèles d'Anna sont quand même faits plusieurs fois, donc ça se passe très très bien. Là où ça se complique, c'était avec la laine. Je ne retrouve plus l'étiquette, je ne sais pas, faut dire que mon cerveau a dû dire celui-là je le mets de côté, donc on n'en parle plus. C'est un fil, il me reste ça, voilà. C'est un fil de Montréal, je crois, québécois, ça s'appelle Pause sur le temps, la marque, et c'est le coloris Elixir dans la... Et alors, j'ai ma fiche Ravelry ouverte à côté quand même. Qui n'est pas, je me suis rendu compte que mes fiches n'étaient pas totalement à jour depuis les derniers projets. Je vais essayer de m'y coller. Donc ça, c'est un fil chaussette, 80% mérino, 20% nylon. Donc très agréable à tricoter. Si ce n'est que, comme toutes ces laines à speckle, à petite tache. Et il y a des moments où elles se répartissent mieux que d'autres. Donc tout le début, c'était parfait. Et après, rappelez-vous, j'avais des grandes taches, ça faisait beaucoup de pooling, ça ne me plaisait pas du tout. Et pourtant, j'étais en train d'alterner les échevaux. Donc j'ai coupé directement dans les fils et puis j'ai quand même bien amélioré la chose. Je crois que je vous l'avais dit ça déjà lors du dernier épisode. Parce qu'il me semble que j'avais quasiment fini le corps et qu'il me manquait les manches. Voilà. Donc sur le corps, bon là, il y a un peu de bleu ici, mais dans l'ensemble, ça va. Et puis pour les manches, alors j'ai alterné au tout début des manches. Et ensuite, j'avais plus assez de... Enfin, où il aurait fallu que je prenne le début, la fin de la balle, ça m'aurait un peu... compliquer la tâche, donc j'ai arrêté d'alterner, et comme il y a des diminutions, finalement c'est ça passe quoi. Il y a pas de tâche, peut-être un petit peu là, mais enfin bon, c'est vraiment pas grand chose. Alors je suis contente parce que
Quand j'ai acheté la laine au départ, j'étais partie sur 3 échevaux dans l'optique de me faire un chandail manche courte parce que bah, c'est le printemps donc on a envie de raccourcir les choses. Et là, en le reprenant, j'ai bien vu qu'il me restait suffisamment de laine pour faire des manches longues. Alors, certes, pas des manches ballon, juste des manches droites, mais ma foi, ça passe. Et en plus, il me reste un peu de laine, il me reste je pense, une quinzaine de grammes, une vingtaine de grammes que j'ai même pas réussi à caler, à caser dans mon pull. Donc, bon, ça ira dans des chaussettes, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir réussi à passer dans 3 échevaux. C'est l'équivalent de 400 mètres 100 grammes pourtant. Il n'y a que... Ah non, 380 mètres pour 113 grammes. Ma foi. Donc, je suis bien contente. Peut-être que je ne l'ai pas fait aussi ample que nécessaire. Peut-être que j'ai tricoté plus lâche, oui, c'est même certain. Je vois la définition du point, il est beaucoup plus lâche que sur certains pulls dernièrement tricotés en fingering. Mais bon, je trouve que ça va bien. On est revenu presque à l'été ici, il fait super chaud. Je l'ai mis pour vous le montrer, mais voilà, je ne sais pas si je vais tenir l'épisode entier avec. Alors... On est d'accord qu'on n'est pas du tout dans des couleurs automnales, mais bah, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de le mettre. Ça apportera de la couleur quand il y aura de la neige. Voilà. Donc ça, c'était le premier tricot que j'ai réussi à terminer depuis la dernière fois. Le deuxième, et c'est celui dont je voulais vraiment venir vous parler début octobre. Parce que c'était la date de sa sortie, c'était un test pour Laetitia de Même les anges tricotent. Et puis voilà, j'ai fait les photos, j'ai fait quelques photos, un petit post sur Instagram, je crois. J'ai mis à jour ma fiche Ravelry, ça c'est sûr, mais j'en suis bien désolée, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Donc il s'agit du châle Ozono que vous avez dû certainement voir dans d'autres podcasts, parce qu'on a été plusieurs à le tester. Voilà, donc c'est... Attends, comment je peux vous le montrer pour qu'on le voit bien? Voilà. C'est un châle à un écheveau de fingering en 400 mètres, et un mini contrastant pour faire ces petites rayures un petit peu partout. On est plusieurs à aimer les châles à un écheveau, je vous en reparlerai parce que j'en ai encore un autre en cours sur mes aiguilles. Moi, j'adore ce format-là. Voilà. Ça fait quand même un bon petit châle autour du cou. Ça cache le V là. Comme ça, j'aurai pas froid cet hiver. Enfin, cet hiver. Ou c'est plutôt le châle de demi-saison ou alors le châle que je mets en intérieur. Parce qu'en hiver, on est d'accord qu'il me faut un gros machin. Mais voilà, ça me fait un petit col que j'aime beaucoup. Beaucoup trop chaud. Donc, pour celui-là, j'avais un écheveau déjà, parce que j'avais prévu depuis longtemps de faire un châle à un écheveau. J'avais un écheveau, celui-là, qui est comme ça, prévu depuis longtemps, auquel j'ai rajouté des restes un petit peu mauves comme ça. Alors il y en a deux, je sais pas si vous voyez la différence, mais mes rayures ne sont pas exactement de la même couleur que ceux-là. J'ai utilisé deux petits restes de 10 grammes et ça va parfaitement pour ce châle qui s'y prête totalement. Donc la première laine, la écrue, c'est... Bon, il me reste un petit bout. C'est de la Gelaine Yarns. 100% mérino. Voilà. C'est le coloris, j'en sais rien, Mother Nature, Mère Nature. Voilà. Alors j'aimais beaucoup ce châle, non, pas du tout. J'aimais beaucoup cette couleur parce que j'avais besoin d'un châle clair pour le printemps aussi. Hein. Bah, petit retour au printemps. Et parce qu'il avait quelques speckles. Alors là, on voit plus grand-chose sur celui-là. On les voit bien au début. Et comme vous pouvez le voir, ben on les voit bien au début.
Et puis au fur et à mesure que j'ai tricoté, eh ben, il y en avait de moins en moins. Donc je me dis, heureusement que je l'ai tricoté dans un châle à un écheveau, parce que ça, sur un chandail, je pense que j'aurais eu le même problème que ce chandail-là. J'aurais eu des endroits avec plein de speckles et des endroits avec rien du tout, tout en alternant les écheveaux, hein. Alors je ne l'ai pas fait là-dessus sur le châle, mais sur le chandail, ça aurait été vraiment embêtant. Donc pour ce châle, hop, on commence par faire le triangle. On fait d'abord ce grand triangle. En commençant par la pointe, on a des petits rangs mousse, on a des petites bubbles, des bubbles, des bubbles, des points mousse, des voilà, avec des augmentations. Quand on arrive au milieu, et bien ensuite on fait des diminutions pour fermer, enfin pour continuer le triangle. Ensuite, on relève les mailles. Alors Laetitia nous explique super bien comment relever les mailles. C'est toujours bien propre. Voilà, elle nous fait à chaque fois une bordure spécifique pour pouvoir plus facilement relever les mailles. Ça se fait tout seul. Ensuite, on a des rangs raccourcis pour étirer un petit peu le châle en longueur, avec les trous-trous pour marquer les rangs raccourcis, mais ça donne une fantaisie. Et ensuite, on a une partie de dentelle qui est marquée par des petites tresses dont je n'ai plus le nom. Mais voilà, ça fait. C'est bien, c'est parce que dans ce châle, il y a plein de petits trucs techniques au fur et à mesure, ça fait qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Et ensuite, eh ben, on relève les mailles tout du long pour faire la bordure. Et une finition en I-cord. Donc il a quand même une bonne taille. Je n'ai pas mesuré, mais. On doit être dans les 1m60. S'il paraît que notre envergure de bras, c'est notre taille. Donc 1m64, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc bon, là aussi, hein, on n'est pas trop dans les couleurs automnales, mais c'est pas grave. Moi, j'ai choisi de le bloquer en faisant les pointes. C'est pas une obligation, mais je trouve que la dentelle se révèle un petit peu mieux comme ça. Voilà. Donc le châle Ozono de Mamie Ange Tricote. Alors, j'ai utilisé 100 grammes de mon fil principal. Je vous avais dit qu'il y avait 113 grammes à la base. Donc voilà, ben, il m'en reste 15 grammes. Et j'ai utilisé 19 grammes de mes coloris contrastants. Donc deux fois, presque deux fois 10 grammes. Et je l'ai tricoté en 4 mm. Si jamais vous tricotez plus lâche, elle nous préconise de tricoter avec une taille d'aiguille en dessous, histoire d'être sûr d'en avoir assez. Mais il y en aura certainement d'autres de cette version-là. Voilà. Donc il est disponible depuis le mois d'octobre, début octobre. Je crois qu'il était, c'était un châle pour le knitit. Bon, et lui, je l'avais fini fin août. C'est pour ça que je l'ai oublié entre-temps. Après tout ça, et eh bien après tout ça, j'ai succombé. J'ai succombé au MCAL d'Audrey Borrigo. Je vous en avais déjà parlé aussi la dernière fois. J'étais pas du tout motivée pour le faire parce que l'école, blablabla, c'est pas trop mon truc. Et puis bon, ben, les tricopines ont des arguments à chaque fois qui font que ben, j'ai embarqué dans le projet avec elles. Ça tombait un moment où j'étais pas débordée au niveau travail, donc ben, je me suis prêtée au jeu de tricoter. Ce col. Voilà. Alors, quand je me dis que je me suis prêtée au jeu, c'est parce qu'en fait, c'est un tricot qu'on. Un MCAL. Qu'est-ce que c'est un MCAL? C'est un tricot qu'on va faire sur le long cours avec plusieurs personnes, mais on n'a pas tout le patron dès le départ. Là, il s'était étendu sur 6 semaines et chaque semaine, on recevait un morceau du patron. Donc, pour le coup, un indice qui correspondait à une case. Et voilà, tous les vendredis, on avait la nouvelle case avec la nouvelle grille.
Alors au départ, j'avais un peu de retard et puis j'ai rapidement rattrapé mon retard et puis j'ai rapidement tricoté les indices. Je les finissais quand même en... Bah, je sais pas, le lundi ou le mardi en général, c'était terminé. Et voilà, je me suis prise au jeu de savoir quel était l'indice à chaque fois, l'indice suivant. Donc, moi, j'ai choisi de le faire avec plusieurs couleurs. Parce que bah c'est pareil, je voulais pas racheter intégralement de la laine. Je voulais essayer de faire avec ce que j'avais. Voilà. Donc, il y a une base qui est noire, noire bleu marine. Alors là, c'est sûr, j'ai pas les étiquettes, mais je le vois sur ma fiche. Tout est marqué. Il y a toutes les références, les couleurs et tout ça. La seule chose que j'ai pas marquée, c'est les quantités. Mais je sais que pour chaque carré, j'ai utilisé 25 grammes de chaque couleur. Donc 50 grammes au final, mais plus ou moins un gramme près, c'est ça. Donc cette base bleu-noir, qui est la même sur tous les carrés. Et ensuite, bah, j'avais de l'écru d'Arrouetta. J'avais ce coloris-là que je voulais beaucoup, enfin que je voulais vraiment utiliser. C'était un reste d'Aveline de la Féfil, même s'il était un peu foncé, mais je trouve que ben, en vrai ça ressort mieux. On voit mieux le détail qu'à l'écran. Là, la luminosité, elle est fou. Et puis Hélène m'a passé ce marron clair qui va très bien. Et donc, on a ce grand col qui est tricoté en double. Hein, donc, autant vous dire qu'on en a pour... on a une bonne épaisseur. Donc, bah, tu peux le porter comme ça. Mais alors moi, ça, ce genre de truc, j'en vois pas du tout l'intérêt. Mais par contre, ce que j'aime, c'est voilà, faire la boucle. Et là, autour du cou... Bon. Voilà. Alors, ça, c'est la version hiver, hein, par contre. Ça, c'était la version demi-saison. Ça, c'est la version hiver. Parce que double épaisseur et double tour, je vais agoniser à la fin du truc. Voilà, ça tient bien chaud, mais ça gêne pas. Et si vraiment on a froid, on peut encore quand même le remonter. On peut fermer le blouson par-dessus. Ça tient bien derrière, mais c'est pas non plus le gros machin. Ça pendouille pas, donc ça n'empêche pas de faire des activités. Et voilà, je pense que je l'apprécierai cet hiver. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout. Donc ça m'a pris 6 semaines à faire, mais ce fut bien agréable. Je l'ai bloqué quand il était terminé. La seule chose qui me restait à faire, c'était le grafting. Je ne l'ai pas rebloqué depuis. Bon, on le voit, il est perceptible ici. Ça fait une légère couture parce que ça n'a pas été rebloqué. Mais on est d'accord qu'une fois entortillé autour du cou, ça ne se voit plus. Voilà. Moi, j'ai pas eu besoin de rajouter des morceaux supplémentaires entre chaque grille parce que j'avais la bonne longueur. Déplié, il fait 1,20 m. Voilà. Et puis voilà. Donc le châle Ithaca, non le col, pardon, Ithaca d'Audrey Borrego. Je crois que maintenant il est complètement disponible en une seule partie. Mais voilà. Qui raconte le voyage d'Ulysse. Donc avec toutes les informations. Je sais pas quel est mon carré préféré. J'avoue que... Alors, il y en a certains que j'ai préféré tricoter que d'autres. Non, c'est l'inverse. Il y en a certains que j'ai moins aimé tricoter que d'autres parce qu'il y avait beaucoup de carrés. Enfin, fallait beaucoup compter le petit carré. Il y en a d'autres, effectivement, qui étaient plus simples. Mais je crois que j'aime vraiment celui-là. Avec la lyre. Ouais, non, j'aime beaucoup le premier aussi. Ah, celui-là avec le soleil, ouais. Bon, en fait, je sais pas lequel est mon préféré. Je les aime tous.
Ma fille aussi, a priori, les aime beaucoup. Elle m'a dit, ça, c'est un truc que je vais te piquer. Ça sera la première qui partira le matin, qui se servira. Bon, donc voilà. Donc j'ai pas mal tricoté quand même depuis la dernière fois. Et bon, bah, c'est vrai qu'en ce moment, enfin, j'ai un emploi du temps variable en ce moment. Donc j'ai pas mal de temps pour tricoter. Et je vous avais parlé la dernière fois que je voulais commencer mon pull Robinia, qui est un pull. Alors, c'est un pull avec du mohair, fingering mohair, donc un pull bien chaud. Et j'avais dit que je tricoterais plus de gros pulls chauds parce que bah, je travaille dans une école et en général il fait toujours trop chaud dans les classes. Mais voilà, je suis pas toujours dans une classe, donc je me suis laissée embarquer parce que pareil, les tricopines, elles sont plusieurs à l'avoir fait. J'ai voyé le modèle, je faisais, je veux le faire moi aussi. Donc, je vais vous parler du pull donc qui s'appelle Robinia de Anne Vincel, qui est ce pull à rayures. Alors, est-ce que je vous parle du modèle? Non, je vous parle d'Hélène. J'étais pas trop décidée sur comment le faire jusqu'au jour où. Voilà, c'est à Trois-Rivières, je crois. Il y avait un petit salon fin août, début septembre. Un petit salon laineux à Trois-Rivières, à côté de Québec. Et il y avait une. Je sais pas si c'est une teinturière. Je sais pas si elle teint ou si elle fait que revendre, j'en sais rien. Une personne qui de la marque Soyez Laine. Qui vend plein de fils, bah, qui vend plein de laine, et entre autres du poilu, comme ça. Alors je ne peux pas appeler ça du mohair parce qu'il n'y en a pas. C'est Alpaga Polyamide Merino. Alors attendez, Alpaga Polyamide Merino, et je crois que l'autre c'est juste Alpaga. Bon bref, il y en a deux variétés. Mais donc c'est pas du mohair. Voilà, Alpaga Polyamide Merino. Bébé alpaga, pardon. Bébé alpaga, polyamide mérino, si je peux vous montrer. Ça fait pas la mise au point, mon téléphone. Ça m'étonnerait que vous voyez grand-chose. Mais c'est pas grave. Et donc, il y a 100 grammes pour 920 mètres. Et ça coûte 22$. Donc, au niveau rapport qualité-prix, c'est quand même bien intéressant. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était comme les copines. Je voulais faire un dégradé de couleur. Je vous avais montré que j'avais du blanc, une espèce de rose foncé. Je n'ai pas préparé mes laines. J'ai quoi d'autre? J'ai un violet, un joli violet comme ça. Et j'ai du bleu. Et ça sera dans ce sens-là. Donc j'ai eu le coup de cœur sur ces couleurs de fil poilu. Et donc à partir de là, ben, je me suis dit, non mais go, tu le fais quoi. Donc, j'ai trouvé ensuite les fingerings qui allaient bien. Donc, ouais, du violet, du bleu, du rose clair et du moyen. Voilà. Et les crus aussi, mais c'est le non teinté, les crus. Donc ça, c'était facile. Oups, non, c'est bon, vous êtes là. Et à partir de là, bah, il fallait trouver les différents mélanges pour pouvoir faire les différentes rayures. Les copines, elles ont entre 8 et 11, 8 et 10 rayures par. Bon, on va dire 8-9 rayures par pull. Donc il fallait inventer 8 ou 9 couleurs à partir de ça. Donc par exemple ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Enfin voilà, on a fait tout un mix de couleurs là-dessus. Et bon, moi je suis pas très douée en couleurs. Enfin, c'est pas que je suis pas très douée, mais bon. Il y a une spécialiste avec nous. Donc Hélène m'a tricoté du petit boudin. Alors, c'est pas mon échantillon pour savoir avec quelle grosseur d'aiguille j'allais le faire, mais voilà, c'est mon échantillon de couleurs. Il y a à peu près toutes les couleurs, je crois qu'il en manque juste une. Voilà.
Donc, dans l'idée, ça va être ça. J'ai aucune idée si vous voyez les bonnes couleurs ou pas. Moi, je vois un truc très foncé. Ça verra. Et donc, ben, j'ai commencé mon chandail. Voilà. Alors, effectivement, ça roulotte beaucoup, mais je pense qu'au blocage, ça ira bien. Voilà. Donc, on commence les rayures et. Alors, je ne vous cache pas que juste après ça qui se tricote tout en rond, au départ de ce chandail, toute la partie où on a les manches, eh bien, ça se tricote en aller-retour. Alors, il n'y a pas beaucoup de jacquard, hein, il y a juste les 4-5 rangs ici. J'ai détesté ça. Mais détesté, ça glissait. Ça, avec le poilu, là, ça, ouais, ça glissait. Sur les rangs verts, je ne savais pas quelle tension avoir pour que ça soit enfin, grand, mais pas trop, pour que ça ne tire pas, pour que ça reste quand même extensible. Et j'ai galéré. Voilà. Et en plus, il faut faire le dos aussi. Mais bon, je me suis un peu forcée. Je fais pas toujours des choses plaisantes. Puis je savais qu'après ça irait mieux au moment de faire le. Au moment de rejoindre ici et de tricoter en rond. Donc voilà. Bon, faut se faire confiance un petit peu. Je me dis que si quand même j'arrive à faire ça, je suis bien capable de faire 4 rangs là-dessus. J'ai adapté mon échantillon parce qu'elle sur le modèle c'est tricoté en 5, mais moi je voulais pas que ça soit aussi déjaugé et je ne voulais pas aussi ample aussi. Donc je les tricote en 4,5 et je fais la taille L, je crois. Ma fiche n'est pas du tout remplie. Donc, on commence et on fait le devant. Donc nos petites rayures. Et on s'arrête là au milieu de cette rayure-là. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, on relève les mailles. Et on fait le dos. Et là, je fais ma première couleur, ma deuxième couleur, ma troisième couleur. Et je vais pour attaquer ma quatrième couleur, la même que devant. Et là, je me rends compte qu'il y a encore une répétition après. Avant, parce que au moment de séparer le corps des manches, il y a une bidouille à faire avec des augmentations et tout ça. Et là, je me dis, mince, je comprends pas, j'ai. Il n'y a pas le même nombre de rayures devant et derrière. Donc j'ai dû louper une étape. Je reprends tout. Je reprends, je compte. Non, j'ai bien mes 3 rayures et demie sur le devant et 4 rayures et demie sur le dos. J'ai quand même, c'est bizarre. J'appelle les copines, elles me disent non, non, moi j'ai le même nombre devant et derrière. Quand même bizarre. Je regarde la version en anglais. Des fois qu'il y a eu une erreur, mais enfin bon, il a été. C'est quand même un chandail qui a été tricoté plusieurs fois, qui a été tricoté 820 fois. Donc je me dis quand même s'il y avait une erreur. Donc je vais sur Ravelry, je fouille un peu dans les projets qui ont été déjà réalisés. Et puis heureusement, certaines ont mis une photo de devant et une photo de dos. Et je me rends bien compte effectivement qu'il y a une rayure de plus dans le dos. C'est ce qui permet de remonter un peu le dos et de creuser un petit peu l'encolure de devant. Le truc, c'est que initialement, le modèle, il est fait juste avec une seule couleur de grosse rayure comme ça. Donc quand on rajoute une rayure, c'est pas gênant, ça se voit pas. Mais quand on fait un dégradé de rajouter une rayure, c'est un peu gênant parce que nous, on veut que ensuite le dos et le devant coïncident. Je me suis un peu retourné le cerveau là une soirée et parce que sur mon dégradé là, entre celle-là et celle-là, il n'y avait pas de couleur supplémentaire. Bon, donc je suis allée fouiner dans mon sash, donc c'était entre cette couleur-là. Et cette couleur-là. Non. Ouais, je sais plus. Entre ça et ça, qui était à l'époque toute faite avec ce poilu-là.
Et donc j'ai trouvé cette chose-là dans mon stock, qui est un mix entre les deux, un peu moins vif. Et je me suis dit, ça ira parfaitement pour faire une rayure supplémentaire. De toute manière, c'est une rayure qui se met dans le dos, que je ne verrai pas. Donc voilà. Donc je vous montre le devant. Rose clair, ça, ça. Et là, j'ai une rayure qui est en cours, beaucoup plus foncée. Et on dirait qu'elle est plus foncée, mais non, c'est juste un effet d'optique. Et derrière, j'ai donc une rayure de plus qui est celle-là. Voilà. Qui est entre les deux. Alors peut-être que j'aurais dû intervertir. Bon, bref. Hein, c'est dans le dos, ça se verra pas. Enfin, moi, je le verrai pas. Et puis, si un jour vous me rencontrez, bah, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Non, mais là, c'est pinaillé. Donc, voilà. Et donc, bah, maintenant, je continue en rond. Je reconnais que ça se fait plus facilement. Hein, il n'y a pas de jacquard à faire en rang en vert. Et voilà. Alors, si je le mets bien, voilà. On voit bien que ça va être un peu en avant et c'est ce qui permet de creuser un peu l'encolure. On verra au porté si c'est beaucoup plus agréable parce que c'est vrai que sur les photos, l'encolure monte assez haut, assez proche. On verra si au porté c'est plus agréable ou pas. Je ne sais pas combien de rayures je vais faire. Je vais voir en fonction de la longueur, où est-ce que j'arrive. Je ne suis pas complètement convaincue par cette couleur-là. Je m'étais dit que peut-être que je ferais comme ça. Voilà, peut-être que je ferais comme ça. Et je crois que j'ai la possibilité de rajouter une rayure ici en faisant un mix de ça et ça. Faut que je fouille. Enfin, bon, j'y suis pas encore. Après, il va y avoir les manches à faire. Je ne les veux pas aussi larges que sur le modèle, parce que là, c'est vraiment des grosses manches bouffantes. Je veux vraiment que ça soit resserré au poignet. Donc, il va falloir que je bidouille un petit peu. Mais c'est bien agréable, ça se tricote tout ça. Je l'ai commencé. On est quoi aujourd'hui? On est mardi. Mardi. J'ai dû le commencer dimanche. Voilà. En sachant que j'ai une petite pause histoire de comprendre comment ça fonctionnait. Donc ça se fait tout seul. Enfin, ça se fait tout seul. Ça se fait quand même relativement bien. Moi, je le tricote en 4,5. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il va avancer tranquillement. Aujourd'hui, j'ai chaud de le tricoter. Donc, bon. Par petite dose, hein. On ne fait pas une grosse séance de tricot sur celui-là. Bon, un chandail, c'est bien, mais un chandail en poilu, ça tient chaud, et en plus, avec plein de balles à droite à gauche, autant vous dire que c'est pas du tout transportable. J'ai été obligée de commencer un nouveau tricot. Donc, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les châles, hein, les chevaux. Parce que je trouve que c'est parfait pour faire un petit cadeau et puis pour être un châle de demi-saison. Donc j'ai repris mon modèle fétiche que j'ai déjà tricoté, je crois, deux ou trois fois. Ouais, trois fois, sûr. Ouais. Qui est le châle Liliopsida de Heidi Allender. Je vous le montre là. Je vous le montrerai, parce que sinon, afin que je fasse du montage, je ne suis pas certaine d'avoir le temps aujourd'hui. C'est un châle qui commence par une partie tout en jersey. On va rien voir. Voilà. Donc, la première partie de ce châle est tout en jersey. C'est un châle triangulaire. On fait des augmentations. Alors, je peux vous en parler parce que c'est un châle gratuit aussi. On fait des augmentations au début, au milieu. À la fin du rang et c'est un châle triangulaire donc qui est en jersey et ce que j'aime particulièrement alors rien je trouve que c'est plus joli en vrai qu'à l'écran ça met bien en valeur les nuances de la laine
On n'a pas de problème de spéculoos, puisque comme on fait des augmentations régulièrement, eh bien, y a toujours, la laine est toujours décalée par rapport au rang précédent. Donc, voilà, ça se fait très très bien. Et alors là, il m'en reste encore, je ne sais pas, il doit me rester 5-6 allers-retours à faire. Et ensuite, on a une partie de dentelle pour finir le châle, un peu comme le châle Ozono. On a une dentelle tout du long, mais ça tient dans un écheveau de 400 mètres, 100 grammes, 400 mètres. Donc c'est parfait, c'est un petit cadeau facile. Et donc lui, il est destiné, petit cadeau de Noël de quelqu'un qui ne regarde pas le podcast. Parce que les gens qui regardent le podcast, eh ben, du coup, je montre pas les tricots. J'ai deux tricots en attente de cadeaux, mais je pense que les personnes regardent, donc je les enregistre et puis je vous en parlerai au mois de janvier quand j'aurai donné tous mes cadeaux. Voilà, c'est la solution de facilité. Voilà, et donc pour cette balle-là, alors c'est pas du tout dans mes couleurs habituelles, mais je voulais quelque chose... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est neutre? Je ne suis pas certaine. Mais, voilà, c'est pas flash, c'est pas... je pense que ça va quand même plus facilement avec des teintes du gris, du beige, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ça. Et il n'y a pas l'étiquette dans mon sac. Bon, c'est une laine canadienne, ça s'appelle Arcane, je crois. Et en plus, lui, il n'a même pas de fiche Ravelry encore. Oh, j'ai honte. Bon, je pense que je vais faire le montage, je vais essayer de mettre à jour tout ça. Et c'est pas bien. Mais alors, j'y tiens d'autant plus à remplir mes fiches Ravelry. Que pour mon... Ouh là là, ça s'accroche. Pour celui-là, pour le Robinia, j'ai passé du temps à regarder les projets des autres pour essayer de compter les rayures, pour essayer de savoir combien de grammes de laine il fallait. Bon, même si maintenant, j'ai pris une balle entière, donc comme ça, on est tranquille. Mais je me sers beaucoup des projets des autres. Rien que pour voir le look que ça a quand on le porte. Et donc, je tiens à remplir mes fiches Ravelry pour que vous ayez toutes ces informations. Parce que si ça peut vous être utile pour choisir une laine, pour voir ce que ça donne et tout ça, je me dis que c'est quand même bien pratique. Donc, je vais m'y tenir et je vais le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai une petite paire de chaussettes en cours, mais est-ce que... Bon, c'est une paire de chaussettes toute simple, sans chichi, patron maison, en bambou, parce que quand je les ai commencées, je trouvais qu'il faisait trop chaud pour mettre de la laine. J'ai des chaussettes en laine actuellement, parce que ce matin, il faisait pas très chaud, mais là, j'ai un peu chaud. Bref. Faut que j'arrête de me plaindre. Et ensuite, les tricopines, elles m'embarquent encore dans un nouveau tricot. Est-ce que je vous en parle? Oh, je vous montre les laines rapidement. Maravalou! Donc, il s'agit du châle Lunae. Pas fiche Ravelry non plus, mais il n'est pas commencé. On s'est donné encore une semaine, je crois, avant de le commencer. Donc le châle Lunae, je louche dessus depuis pas mal de temps. Il y a un modèle exposé à la boutique à Victo, aux mains filées pour montrer, voilà, il y a plusieurs châles comme ça qui sont en expo. Ça fait un moment que je louche dessus. Là, je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas d'autre moyen de vous le montrer.
Mais voilà, j'aime beaucoup ce châle qui a toujours la même forme triangulaire, mais là il est beaucoup plus grand avec toute cette partie en mosaïque en bas. Et voilà, il me fait de l'œil depuis un petit moment. Je crois qu'on est trois ou quatre à avoir des vues dessus. Donc on s'est dit, allez hop, on va se le tricoter ensemble et ça sera sympa. Donc, j'aime beaucoup les couleurs de référence. Le blanc, beige, beige gris et bleu marine. J'adore ces couleurs sur le modèle de base de la designer. Mais pareil, je veux toujours essayer d'utiliser les laines que j'ai dans mon stock, même s'il n'y en a pas énormément. Et donc cet été, j'avais acheté, hop, quand j'étais venue en France, j'avais acheté une balle de Zauberwall Crazy. Coloris. J'en sais rien. 1153? Bah écoutez, bref, j'en sais rien, celui-là. Quand je ferai ma fiche Ravelry, je marquerai les bonnes références. Donc du bleu, du vert, différents verts, différents bleus. J'aime beaucoup le blanc du modèle qui est juste avec ça parce que ça fait un bon contraste. Et ensuite, tout ce qui est gris, beige, eh ben, je vais utiliser du gris beige. Alors là, j'en ai juste un petit bout, il faut que j'aille en acheter une autre balle. Dans les héritages de cascade, il y a plein de couleurs. D'ailleurs, ça, c'est aussi de l'héritage de cascade. Il y a vraiment un gros, gros choix de couleurs. Et je pense que je vais partir là-dessus parce que on avait essayé avec du bleu marine, ça rendait super bien. Mais j'ai pas mal de châles. Bah, pas mal. Pas mal est peut-être un grand mot. Mais j'ai plusieurs châles avec du bleu marine déjà. Donc, ça fera ça. Et avec du gris autour. Voilà. Je pense que ça devrait bien aller. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup à ma fille. Parce que maintenant, elle m'aide à choisir les couleurs aussi. Hein. Elle a son mot à dire. Elle me dit, non, mais bleu marine, on a déjà celui-là et celui-là. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai que un châle un peu neutre comme ça, on n'en a pas. Bon, neutre. Neutre avec ça. Mais c'est pas grave, j'ai envie. Donc, d'ici là, j'ai le temps d'avancer celui qui tient chaud, celui où il faut pas trop réfléchir, du moins tant que je suis dans la partie jersey. Et après, ben, je pourrais attaquer celui-là. Écoutez, hein, y en a, ils font autre chose. Ben, moi, je tricote et voilà, ça me fait du bien. Donc, j'espère qu'il en est de même pour vous si vous êtes en train de regarder cet épisode, c'est que ça doit vous plaire aussi. J'ai terminé pour aujourd'hui. Ouais, je terminais pour aujourd'hui. On se retrouve ben, quand j'ai des choses à vous montrer. Et puis, ben, d'ici là, tricotez bien, profitez bien, passez du bon temps, occupez-vous de vous et de ce que vous aimez. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!